Les amis, aujourd'hui on se retrouve dans le Marseille, dans le Nice taïwanais, puisqu'on est tout au sud de l'île à Kaohsiung, donc qui est une ville très ensoleillée. Et aujourd'hui on n'est pas tout seul, il y a Georgette bien évidemment, mais aussi il y a le meilleur guide qu'on pouvait trouver ici, Louis. Le mec se présente tout seul, ou c'est moi. Moi-même. Présente-toi en 2 minutes pour les gens qui nous regardent. Avec plaisir. Alors je m'appelle Louis, je suis youtubeur à Taïwan, j'habite à Kaohsiung. Ma chaîne s'appelle Bonjour Louis, tout simplement en français. C'est une chaîne bilingue, français, chinois, anglais. Trilingue, en fait, un petit peu. Bon, c'est un peu selon l'humeur quand même. Et donc je vais me faire un plaisir de te faire visiter un peu la ville aujourd'hui. Ouais, puisque là aujourd'hui on va sur une île. Apparemment, on va prendre un bateau. C'est ça, il y a un petit bateau, voilà, très court, 3-4 minutes pour aller sur l'île de Tsitin, qui est une très longue île qui longe toute la ville de Kaohsiung. Parfait. Où voilà, tu vas avoir une ambiance très différente de cette ville très dynamique qui est Kaohsiung. Okay. Donc ça va être voilà, plage, palmiers, un peu de montagne, belle vue. Un plaisir pour le confinement. Exactement. A tout de suite. Ouais. Je te disais qu'il y avait une sorte de market, night market, mais de jour. Ouais. Et ici, ça commence de là et ça va tout le long jusqu'à la plage de l'autre côté de l'île. D'accord. Mais c'est énorme alors. Ça va. Bah, hyper grand parce que l'île est très étroite en fait. Ok. Elle est hyper longue, ouais, mais très étroite. Ok. Voilà. L'ambiance est très particulière, ça rappelle un petit peu les Matsuri au Japon. En fait, le marché, donc il a lieu tous les jours, il est directement comme ça sur la route, là comme vous voyez. On est sur la route, là où les voitures sont censées rouler, et le marché s'arrête un petit peu plus loin. Et on retrouve des stands de chaque côté de la route, donc on se rend compte que c'est quelque chose d'assez touristique. Et j'ai une voiture derrière moi, d'assez touristique et familial, puisqu'il y a des stands qui vendent de tout et de rien, donc que ce soit des vêtements, des jouets, de la nourriture. C'est assez intéressant et ça rappelle encore une fois cette ambiance de Matsuri japonais, ce qui est plutôt agréable. Soft on her feet or something the same. Et j'ai failli oublier, on est également avec Aida, la petite amie de Louis, mais avec Kuma, la petite crotte qui est juste là. Comment ça va aujourd'hui? Ça va. Elle a tellement de flegme, elle s'en bat les steaks. Yeah. Nous allons maintenant escalader une sorte de petite montagne pour avoir un panorama fantastique avec un coucher de soleil apparemment sur la mer du coup. Sur la mer, ouais. Sur la mer. Et petite info, là on va rentrer dans un tunnel, un ancien tunnel militaire qui est maintenant utilisé pour les touristes. On peut traverser la montagne par ce tunnel. En mode bunker. Voilà, exactement. Sérieux? Ouais. Ah, c'est un problème. Il y a des araignées? Non. Ah non, dans le tunnel. Vraiment... C'est pas une question. Ça fait trop peur. But it's new, the lights like this, the sea paintings and everything. Et du coup, ça c'est un ancien tunnel militaire. Effectivement, juste derrière moi, on a déjà un monsieur qui crache ses poumons, mais surtout on a un bunker. Donc c'est effectivement très militaire. C'est pas magnifique, mec. Franchement. Ah non, la vite lave, hein. Franchement, ouais, tu nous mets bien. C'est pas mal, hein. Mais elles sont, en plus, je sais pas ce qu'elles font les vagues là, c'est magnifique, elles se croisent comme ça. Putain. Mais c'est exceptionnel, ils sont énormes. Sans déconner, regardez la taille de ces cactus. Mais là, tu glisses, mais tu finis en mode Bob l'éponge. Ah ouais, non, c'est chiant. De l'autre côté en face, tous les gros bâtiments rouges en briques que tu vois, c'est des bâtiments de l'université de Zhongshan ou Sun Yat-sen University. Ouais. C'est l'université la plus prestigieuse du sud de Taïwan. D'accord. Et okay. Elle est voilà complètement bâtie dans la montagne. Donc, les gens ils étudient là-bas. Ouais, ils étudient là-bas, ils ont vu sur la mer. Et avec les dortoirs et tout. Ouais, c'est incroyable. Donc là-bas, là, tout ça, c'est une université.
donne presque envie de retourner en cours. Je sais pas si vous avez vu la vidéo du coucher de soleil à Changshan, à Taipei. On était un petit peu à la bourre pour choper le coucher de soleil. Et bien ici à Kaohsiung, sachez que c'est exactement pareil. On est en bas, faut qu'on monte, faut qu'on aille vite parce que le soleil se couche, il est bientôt couché. Et on veut avoir ce coucher de soleil en image. Donc là, ça y est, c'est Koh Lanta, faut courir là. C'est Fort Boyard. C'est l'immunité là. C'est de l'autre côté bien sûr le coucher de soleil. Parce que là ça aurait été très décevant. Putain ouais, non. Non, c'est sur l'océan, ça va être superbe. Sur l'océan. Sous l'océan. Donc là on est sur un ancien fort qui était donc bâti pendant l'empire chinois Qing dans les années 1700-1720 si je me rappelle bien. Voilà. Ouais, alors qu'on dirait une prison mais... C'est vrai qu'on dirait un peu une prison et la première fois que je suis venu je me suis dit la même chose mais non c'est bien un fort, le fort le Qihu Fort. Ah, voilà. Eh ben. Ce qui est cool ici c'est que t'as vraiment une séparation de ouf entre l'océan d'un côté, la ville de l'autre. Et même si tu vas de l'autre côté ici, tu peux voir tout le long de l'île de Titine, où tu as tout le long de la plage d'un côté et tous les bâtiments de l'autre côté. Tout ça c'est très beau, c'est très poétique, mais ça ne change pas le fait que le soleil, mesdames et messieurs, est derrière les nuages. Donc ouais, voilà, on est en sueur, on a couru pour avoir ce coucher de soleil, on est à l'heure. Et malgré tout, on l'a dans l'os. Et ça, c'est quand même bien dommage. Et ma petite Georgette, qu'est-ce qu'elle pense de tout ce panorama? Bah, c'est incroyable le fait que ouais, t'as la mer, l'océan d'un côté, et la ville de l'autre côté. Les amis, la nuit est tombée sur Kaohsiung, nous sommes de retour dans le centre-ville et nous sommes dans le temple que je préfère à Taïwan, que Louis m'a présenté l'autre jour, il pleuvait, donc malheureusement, les lanternes n'étaient pas allumées et en plus, on pouvait pas se balader puisque c'est à ciel ouvert, donc on pouvait pas se balader vu qu'il pleuvait des cordes. Donc, qu'est-ce que c'est que ce temple finalement? Parce qu'il est incroyable. Finalement. C'est le temple qui s'appelle San Feng Gong. Ouais. Et c'est un temple taoïste qui est probablement le plus gros à Kaohsiung. Et voilà, connu pour son ciel de lanterne qui est absolument magnifique quand il est allumé bien sûr et qu'il ne pleut pas. Et la particularité, ce qui est génial, c'est que tu peux... Il y a plusieurs étages en fait et tu peux sur les côtés monter pour voir les lanternes de dessus. Ouais. Et donc au lieu d'un ciel de lanterne, ça devient une mer de lanternes. Oh là là, c'est beau. Et voilà, et on est dans la poésie là, voilà, qu'est-ce que tu veux. Voilà, et si tu voulais savoir, tu me disais que tu n'arrivais pas à te souvenir du nom. Je vais te le décomposer en chinois. Ouais. San Feng Gong. San, c'est pour 3. Ouais. Feng, ça veut dire phénix. Ouais. Et, enfin, ce caractère-là veut dire phénix en tout cas. Et Gong, c'est pour palais, palace, voilà. D'accord. Donc en fait, le palais des 3 phénix. C'est stylé. En quelque sorte, c'est classe, hein, ça envoie. Alors là, nous sommes dans une salle très particulière puisque quand on les voit de loin, en fait, on dirait qu'il s'agit de piliers avec des petites lumières, des petites bougies ou on sait pas, ça ressemble à des petites flammes. Mais Louis va nous expliquer un petit peu plus en détail de quoi il s'agit. Alors, bah, on en avait parlé la première fois qu'on était allé au temple, donc c'est bien des sortes d'offrandes, on va dire. Enfin, t'achètes ce petit espace, tu payes pour cet espace pour la bonne fortune. Mm-hmm. Mais pourquoi tu achètes cet espace? C'est aussi en particulier si cette année, ton signe astrologique est censé avoir justement une mauvaise fortune. Ah, donc c'est pas tout le monde, n'importe qui va tout lancer. C'est acheté pour conjurer le sort. D'accord. D'un mauvais signe astrologique de cette année. Quand les Taïwanais viennent dans les temples pour prier, en fait, ils viennent s'adresser à différents dieux, ils viennent prier différents dieux. Donc, il y a des salles différentes dans lesquelles les gens viennent prier. Et ici, on est dans celle qui est au centre du temple et tout en haut, donc au dernier étage. Et elle est immense. On a plusieurs déités qui sont représentées là-bas. Donc, les gens viennent ici. Vous avez les petits coussins par terre sur lesquels ils vont s'agenouiller pour parler, en fait, pour prier. Et vous avez aussi un système très intéressant que je n'ai jamais vu ailleurs. En fait, ce sont des petits, on dirait des quartiers d'orange en bois,
peint en rouge. Et en fait, les gens, ils vont en prendre deux, ils vont poser des questions aux dieux et puis ils vont les jeter par terre. Et en fonction de comment ça retombe sur le sol, ça peut être oui, non ou pas de réponse. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils vont communiquer avec les esprits, avec les déités. Et c'est comme ça que les Taïwanais font leurs prières. Dans la salle derrière moi, donc dans toutes les salles c'est pareil, il y a des petits ventilateurs en fait qui tournent à plein régime parce que toutes ces petites offrandes en fait dorées là, je sais pas, ça tient chaud en fait, elles sont toutes chaudes finalement, elles sont toutes, ça surchauffe et du coup il fait très très chaud dans ces pièces, en fait, dans ces... C'est de la LED je crois, c'est comme, tu sais, quand t'as un panneau LED, quand tu filmes, ça chauffe de ouf. Ah bah oui c'est un ça, petit comme oui t'as ça. Raison. Donc, t'imagines exact. La taille d'un mur d'un panneau LED, exact. Bah ouais. C'est un panneau LED. Ouais, en fait, ouais. Et donc toutes ces petites offrandes mises bout à bout, en fait, c'est toutes ces petites LED qui font qu'il fait très très chaud dans les chambres de prière. Et du coup ils sont obligés de mettre des gros ventilateurs, déjà qui fait chaud à Taïwan, encore plus à Kaohsiung. Alors là, dans ces pièces où il fait très chaud. Apparemment on a de la chance, je vais vous filmer ça même si on comprend pas grand chose. C'est un spectacle de marionnettes traditionnelles taïwanais et apparemment ça se fait plus beaucoup ça. Et là ce soir c'est un petit peu, on savait pas que c'était là et il y en a un. <t'en>